Nous sommes avec Manolis Pletis qui vient rapporter une décision aux dépens de Noël Cortes. Manon, ça faisait un an qu'on t'a pas vu en action. Te sentais-tu rouillé sur le ring? J'ai senti un peu que c'était une année que je me suis pas poussé. Je bougeais pas assez la tête. Je revenais pas quand je. I was backing up. Je sentais un peu plus faible durant les fins de round. Mais il était un tough, you know, il rentrait constamment, il lançait des coups. J'ai vu le combat qu'il avait fait avec Phil Greco, mais on voulait un combat comme ça. Un gars qui va lancer, un gars qui va échanger, un gars qui va pas te backer, you know. Mm-hmm. Il avait fait une décision majoritaire. C'était un très très beau combat et I want to take it up a notch, you know. Je veux m'élever à niveau de la boxe, you know. Je veux savoir si je l'ai ou je l'ai pas. Je sens que je l'ai. Et this is what I'm waiting for, you know, les guerres. Je veux une guerre. J'adore ça. À l'été de 2008, tu es devenu champion canadien. Oui. Ensuite, tu as battu en novembre l'an dernier. Oui. Pourquoi une si longue pause entre ton dernier combat et celui-ci? J'avais ouvert un restaurant. Je l'ai vendu maintenant. Oui. Je suis gars très hyperactif, comme vous voyez. Je bouge toujours. Mm-hmm. Je dors pas beaucoup, you know. Depuis ma naissance, j'ai des problèmes comme ça. Je suis un boxeur, you know. Je suis pas un docteur, you know. La carrière, elle s'arrête à un certain temps. La carrière va arrêter. Je me suis fait penser, I have a girlfriend, you know, je suis en bonne relation, I'm very happy, you know, je veux me marier, je veux tout. Mm-hmm. La boxe, ça fait peur des fois, you know, parce que, à cause de mon style, c'est une sorte de style, un style qui est agressif. Tu vas te faire mal. Mm-hmm. Je l'attends, ma blonde, elle sait, ma famille, elle sait, ma mère, elle pleure des fois. Je l'adore, par exemple, you know, je vais pas l'arrêter, et c'est pourquoi les fans m'ont adoré. So, I did a plan B, I thought because I'm hyperactive, que je pourrais ménager des deux, mais je sais que tu peux pas, you know. J'ai travaillé 70 heures la semaine. Quand je me suis battu avec Springer, cette semaine que j'ai devais perdre 14 livres dans une semaine. Mm-hmm. Et j'ai travaillé 7 jours, you know. J'ai fait le combat. C'était pas mon meilleur combat, hein. J'ai gagné par exemple, mais c'était vraiment pas mon meilleur combat. Quoi, Springer? Ouais, j'étais très fatigué. Après le combat, j'étais allé travailler, fermer mon restaurant. Et j'ai ouvert le lendemain, you know. J'ai dit, forget it, I can't do this, you know. Je parlais avec ma famille, j'ai dit, on doit le voir. You know, let me see if I have it. La boxe, ça doit être ta carrière, ça doit être ta vie. Tu dois eat, sleep, you know, everything boxing. Et je l'ai fait, you know. Et tu. Maintenant que je commence à le faire maintenant, je veux dire. Maintenant que tu mentes, ton combat de retour est fait, comment tu le sens? Je veux battre encore tout de suite. Mm-hmm. Décembre, janvier, février, mars, avril, juin. I want to fight. Je le veux. Oh man, I want it. You gotta go through something good to comprendre comment tu as besoin du sport. Moi là, c'est peut-être fou là d'écouter, I need to fight. Yeah. Pas dans la rue, mais j'ai besoin de. Oui, mais pour un boxeur, c'est pas fou. J'ai besoin de la guerre. J'ai besoin de faire couper des fois, de faire mal, de lancer des coups. Play the Greek in me, you know? I'm a warrior. I need to fight, I love it, you know? And aussitôt que j'étais dans le restaurant, j'ai devenu un fou. Même ma mère, elle voyait. You gotta get back to the box, you're becoming. Tu commences à perdre la tête, you know? Et je l'ai fait, you know? Est-ce que le groupe Yvon Michel t'a prédit comme X nombre de combats? Non, on n'a pas parlé encore, mais je suis sûr qu'on pourra arranger quelque chose. Je vais voir comment c'était le combat, s'il l'aimait. Mm-hmm. Je crois qu'ils vont pas être déçus, c'était un bon combat, il était un bon test pour moi. J'ai passé. Donc, t'as mieux fait que la dernière fois que lui était venu à Montréal. Oui. Mm-hmm. On savait pas c'était qui avait gagné ce combat, non? Yeah. De ma part. But I'm ready to fight anybody. Alright. Yeah, I'm ready. Like, avant je disais, je veux juste gagner. Je veux savoir, je veux le combat. Je veux. In Algérie, I'm gonna go in and I'm gonna give a fight. No matter when, no matter who, no matter where. Mais je suis content que tu sois de retour. Ouais. Puis au plaisir de te revoir bientôt. Merci. Au commanditaire Vlad Dogo et le restaurant Panama sur la rue Jean Talon et au West Island. Merci beaucoup. All right, merci. Au revoir.